Good morgen. Allez, il y a un essu sur aujourd'hui le Nishmat Claude Shlomo Ben Shalom David Ben Fortuna Mazal Fritna Lucien Matreina. Si vous avez aussi dédié une prochaine étude de Mishnah quantité de 5 minutes éternelles, nous étions à Masechet Sota Perigvav Mishnah Gimel Sheaya Bedin Uma Im Edut Rishona Sheen Osarta Isur Olam En Amit Kayemet Bepachut Mishnaim Edut Acharona She Osarta Isur Olam En Udin Shalot Itkayem Bepachut Mishnaim. Talmud Lomar, Ve'ed en ba, kol edut sheyesh ba. Quel va chomer l'edut arishona, me'ata? Umaim edut acharona, shosarta, isur olam, arim mitkayemet be'ed echad. Edut arishona, she'en, osrata, isur olam, en odin sheytitkayem be'ed echad. Talmud Lomar, ki matza ba'ervat davar, ulealanu omer, al pishnaim edim yakum davar. Ma le alan al pishnaim edim, afkan al pishnaim edim. Mishnah, comme on avait déjà introduit depuis la Mishnah Aleph et Bet, et maintenant Gimel, c'est la suite logique de la Mishnah précédente, la Mishnah Gimel. Regardez, elle commence même aussi, Shaya Bedin, comme si on en plein milieu d'une phrase. On a déjà souvent évoqué la question qui est l'auteur, qui a coupé les Mishnayot. C'est sûr que c'est les Mishnah qu'il fallait lire tout d'entrée, quoi, parce que c'est. On commence pas un texte en disant Shaya Bedin. Tu te rapportes à quoi? Tu te réfères à la Mishnah précédente. Donc c'est une suite logique. Concrètement, notre problématique de notre, la problématique de notre Mishnah est de savoir le nombre de témoins qu'il faut pour chaque chose. On a déjà évoqué. Il y a trois étapes dans la sota, et des kinouilles, et des stira, et des touma, et des kinouilles, c'est le moment où on avertit la femme de je t'interdis de s'isoler avec un tel. Et des stira, c'est lorsqu'elle est partie s'isoler. Et des touma, c'est si toutefois elle a été souillée à l'intérieur, elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et des kinouilles et des stira. Il faut qu'il y ait deux témoins, Kshérim, comme toute la lachot de Edim, des témoins des hommes, libres, pas des esclaves, pas une femme, pas aider à lachot, quel type de témoin faut-il? Tandis que pour les aider Touma, si on a déjà construit, qu'on a eu les aider Kinouï, aider Stira, si la femme elle a osé après ça s'isoler, alors là, n'importe quel témoin qui va venir témoigner à la fin va être cru, et même si c'est même pas un témoin kasher en général, comme une édoute de femme, et comme pire que ça, on a même évoqué dans la Mishnah précédente, même des femmes qui sont en général soupçonnées de la haïr naturellement, et de lui vouloir du mal, cette fois-ci on croira tout le monde, parce que quelqu'un qui a tellement de soupçons sur elle, qui a tellement enfreint des barrières, en s'isolant, alors qu'elle était avertie, et qu'après, n'importe qui va venir nous raconter, on le croit, d'accord? La problématique de notre Mishnah va être de savoir d'où apprenons. D'où on apprend tout ça, la chôte de la Torah. Il va falloir donc, on va s'intéresser à deux sujets, deux cas. Les aider, stir, aider, touma, aide le témoin de la, que la femme a transgressé, elle a enfreint, elle a trompé son mari. Le témoin, ça suivi d'un seul témoin là-bas, d'où on apprend de la Torah. Et du coup, d'où on va apprendre qu'il faut quand même deux témoins pour le moment où on va l'avertir. Et on va comparer les deux avec une certaine logique. Parce que la Torah, elle a fait quelque chose, il y a une certaine logique, c'est vrai, de dire que, bon, pour lorsque tu avertis ta femme, lorsqu'un homme avait averti sa femme, c'est sûr qu'il faut deux témoins. Pourquoi? Parce que dans tout ce que tu fais, il faut deux témoins. D'accord? On accepte. Mais il y a un problème. Quel est le moment le plus grave, le plus crucial, le témoignage le plus crucial sur cette femme-là? C'est le moment où on va voir le témoin qui va nous raconter qu'elle a été impurifiée. Et là-bas, dans le moment le plus grave, tu es le plus permissif, ça suffit. Un seul témoin même qui n'est pas cachère, ça il va falloir l'apprendre d'un pasouk. Lorsque tu vas apprendre de ce pasouk que ça suffit un seul témoin, hein, alors là on va raisonner à l'envers, on va dire si dans le moment le plus crucial ça suffit un seul témoin, dans les moments qui sont juste préliminaires, c'est-à-dire le moment où tu as averti la femme, alors peut-être que ça suffit un seul témoin, et là il va falloir un pasouk qui va nous apprendre deux témoins. C'est tout le plan de notre Mishnah, je l'ai dit en quelques mots. Et maintenant, on fait ça à l'intérieur des mots, et puis on va découvrir un peu plus dans les détails. Shaya Bedin, car on aurait pu faire la déduction par a fortiori. Bedin, ça veut dire Bekal Vachomer. On aurait pu faire car on aurait dû déduire que quoi? Uma im edut rishona. Regarde, pour le premier témoignage de la femme, c'est-à-dire le moment où elle va s'isoler. Shen osrata isurolam, depuis le moment où tu l'avertis qu'elle ne va pas s'isoler pour le moment, il n'y a aucun interdit sur la femme. C'était qu'une étape préliminaire pour prévenir, pour avertir. Et là-bas, enamit kayemet bepachut mishnaim,
tu ne peux réaliser ce témoignage qu'avec deux témoins. Donc, dans le témoignage le plus insignifiant, la Torah nous dit hey, deux témoins. Waouh! Dans le témoignage le plus insignifiant, deux témoins, donc dans le témoignage le plus grave, c'est sûr qu'il faut deux témoins. On aurait dû déduire par forcerie que Edut Acharona, le dernier témoignage de l'impureté, Shosrata Isur Olam, ou là-bas on va l'interdire pour éternellement, parce que maintenant ça y est, c'est la femme qui est interdite à son mari. S'il y a un témoin qui vient qui nous raconte qu'elle a été impurifiée, le mari ne peut plus rester marié avec elle. Et Nodine, dans ce cas-là, ne fallait-il pas, à fortiori, chez l'otit kayem bepachut mishnaim, qu'il faudrait nécessairement deux témoins dans ce témoignage. Pour le témoignage insignifiant, on t'a imposé deux témoins. Pour le témoignage le plus grave, c'est sûr qu'il faut deux témoins. Comme ça, j'aurais dû déduire. Talmud Lomar, c'est pour ça que le pasuk est venu m'apprendre. Ve'ed en ba. Il n'y avait pas un seul témoin. Donc, la Torah, elle me dit, si toutefois le mari l'a averti sa femme et qu'elle s'est isolée, ve'ed en ba, et qu'il n'y a même pas un seul témoin. Ah ouais? Même pas un seul témoin. Donc, un seul témoin aurait suffi pour nous dire que la femme, elle était impurifiée. Kol edut sheyeshba, n'importe quel témoignage qu'il peut y avoir, même un témoignage de personnes qui sont invalidées en général. Dans ce cas-là, viens, on va raisonner à l'envers. Kalva chomer le edut arishona me'ata. Faisons le raisonnement a fortiori pour le premier témoignage à partir de maintenant. Donc, maintenant que tu m'as dit que le pasouk, il est venu me dire. Pour le témoignage le plus important, le plus grave, le plus crucial, ça suffit un seul témoin. Bien, on va raisonner par a fortiori pour déduire que pour le premier témoignage qui est beaucoup moins important, celui de l'avertissement de la femme, peut-être que ça suffirait même un seul témoin. Kalva chomer le edut arishona me'ata. Je vais déduire par a fortiori que pour le premier témoignage, c'est-à-dire le premier témoignage de l'avertissement, depuis maintenant, umaim edut acharona. Regarde que pour le témoignage dernier, celui où la femme a transgressé, ou dès lors la femme elle va être interdite éternellement à son mari, malgré tout la Torah est venue m'apprendre que je peux la réaliser avec un seul témoin, j'ai pas besoin d'avoir deux témoins. Dans ce cas-là, Edut Rishona, le premier témoignage où tu avertis la femme, où c'est relativement insignifiant, c'est une étape préliminaire, c'est pas tellement grave. Alors, chez En Osarta Isurolam, où tu ne crées aucun interdit éternel pour la femme, en faisant ainsi. En Odin Chetit Kayem, Ben Echad, n'était-ce pas plus a fortiori qu'il fallait dire que ce témoignage pourrait être réalisé avec un seul témoin. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on a eu besoin de déduire, qui Matsaba Ervat Davar, que le mari a vu en elle ervat davar, quelque chose de pas joli, une conduite indigne. On a utilisé le mot ervat davar, et où les alan ou omer est plus loin dans un autre sujet, où on parle là-bas de meurtre, on a dit que alpishnaim edim yakum davar, sur le témoignage de deux témoins, yakum davar, une chose sera établie. Pour être sûr que une personne a tué, il faut qu'il y ait nécessairement deux témoins. Alpishnaim et Demi Akum Davar. Sur le témoignage de deux témoins, tu établiras la chose. On apprend le mot Davar, Davar, Ervat, Davar et Yakum Davar. Mal et Alan, Alpishnaim. De même que là-bas, tu as besoin de deux témoins. Afkan, Alpishnaim et Dim. Mal Alan, Alpishnaim et Dim. Afkan, Alpishnaim et Dim. De même que là-bas, tu as besoin de deux témoins. Pour la Retzicha, c'est explicite qu'à Pishnaïm et Dimiakum Davar. La même chose aussi qui Matsaber Vadavar lorsque tu veux avertir, faire le kinouï à la femme. Alors il faut que ce soit à Pishnaïm et Dim, il faut qu'il y ait aussi deux témoins. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Koltou, Selah.